Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Seigneur, à
Je peux compter tous les
s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut.
Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Or, quand il y a testament, il est nécessaire que soit constatée la mort de son auteur. Car un testament ne vaut qu'après la mort. Il est sans effet tant que son auteur est en vie. C'est pourquoi le premier testament lui-même n'a pas été inauguré sans que soit utilisé du sang, lorsque Moïse eut proclamé chaque commandement à tout le peuple conformément à la loi. Il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il en aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. » Puis il aspergea de même avec le sang la tente et tous les objets du service liturgique. D'après la loi, on purifie presque tout avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. S'il est nécessaire que soient purifiées par ces rites les images de ce qui est dans les cieux, les réalités célestes elles-mêmes doivent l'être par des sacrifices bien meilleurs que ceux d'ici-bas. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Thank you.
Thank you.
Amen.
mort sur la croix, vivant pour les siècles. Le Seigneur.